Et si on faisait un cadre photo avec deux feuilles de papier colorées, une blanche, du carton, de la colle, un crayon, des ciseaux, du scotch et une règle. Aide-toi d'une photo pour dessiner ton cadre. Fais-le de la largeur que tu veux. Découpe ensuite un rectangle de la même taille. Voilà la base de ton cadre. Maintenant, on va passer à la décoration. Reporte la largeur d'un des côtés sur une des deux feuilles colorées. Moi, j'ai choisi de faire les deux côtés les plus larges de la même couleur de papier. Du coup, je me sers d'un rectangle pour faire les deux côtés. Trace deux repères à l'intérieur du cadre pour faire les découpes. Et là, ça va simplement être un système de pliage qu'on va donc fixer avec du scotch. Rien de bien sorcier, je te laisse avec les images, c'est bien plus parlant. Voilà ce que ça donne pour l'avant de ton cadre. On va donc passer maintenant à l'arrière qui va être tout simplement blanc. Donc là, rien de plus simple, tu emballes ton carton dans un papier blanc ou même de couleur si tu veux, ça n'a aucune importance. Tu l'emballes comme un paquet cadeau de Noël. Applique de la colle sur seulement 3 des 4 côtés. Laisse le quatrième pour passer la photo. Laisse sécher pendant une heure. Et voilà comment faire un cadre photo à partir de carton. N'hésite pas à varier la taille de tes cadres et la décoration. Sois créatif !